C'est une décision très attendue par la commune de Taïarapou et c'est officiel. Les trois sites exploités par l'armée à la presqu'île, le fort, la base ionosphérique de Taravao et le centre d'instruction nautique de Tautira ont été rétrocédés à la commune. Un projet d'hôtel-restaurant familial est toujours à l'étude, comme nous l'explique le maire de Taïarapou-Est, Anthony Jamé, interrogé par Christian Dezo. De l'ensemble des terrains, des sites qui nous sont mis à notre disposition, nous sommes assez avancés au niveau du centre d'instruction nautique. Et aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un projet à vocation touristique, donc un projet tourné vers la mer, mais qui se situerait dans le milieu de gamme, genre hôtel familial. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.